Crème solaire, on va ramener. Soleil noir. Messieurs Bokertov, je suis en train de filmer le buffet. Donc sentez-vous un peu mal à l'aise. Sentez. Je suis en train de filmer pour l'instant le buffet. Personne ne touche, hein. Olivier. Voilà, on est revenu. Baruch HaShem. Bokertov, Shavuatov, Umasatov, Yaona Vizaholetov. Bon, on n'est pas dimanche, hein, on est déjà lundi. Mais vous savez que dimanche, on a le cours au Beit HaMidrash avec nos élèves, donc on ne filme pas dimanche. Et lundi, on est là de retour. Alors, on attend que nos amis sur les réseaux, dans le monde entier, se connectent avec nous pour qu'ils soient avec nous ensemble dans notre bracha de ce limud HaTorah, Dora Geula, Pole, Giriamim, Natania, Eret Israël. Pardon, Mickaël. Ah, Olivier. Est-ce qu'on peut applaudir Olivier? C'est son anniversaire aujourd'hui. Olivier, tout le monde demande qui tu es, ils veulent voir ton visage. Je veux te garder anonyme. Ah voilà, je veux te garder anonyme. Parce que c'est mon joker, je veux le garder anonyme. Voilà. Je le montrerai à personne. Tu sais pourquoi, Olivier? Parce que la bracha se trouve dans des choses qui sont cachées. La bénédiction se trouve dans des choses qui sont cachées. Voilà. On va commencer immédiatement aujourd'hui. On a beaucoup à parler. Non, du tout. Très bien, il n'y a aucun problème. Un des points principaux de la paracha de cette semaine a été que nous avons constaté ce matin en ouvrant le Sefer Torah, qui est le livre de Vaïkra, nous avons constaté que le Sofer a écrit le mot de Vaïkra qui est Vav, Yud, Kouf, Resh et Aleph. Le Aleph est tout petit. C'est pas un hasard, il y a un enseignement majeur que j'aurais voulu vous apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, en étant tous ensemble avec nous. Je vais juste faire une... Voilà. Leilu Nishmat Shlomo Ben Chana Verabi Tzion Aben Danan, que ce soit Leilu Nishmato, Atzlacha pour Avner Eliaou Ben Sarah. Est-ce que vous avez des noms de malades? Sarah Colette Batmiz. Sarah Colette Pardon? Kelly Sarah Bat. Penina. Alekra. Zora Solika Bat Sultana. Shmuel Ben Rachel. Alegra Bat Sarah. Alegra Bat Sarah. Yitzhak Colombani. Yitzhak Colombani. Et pour la nomination ce matin de Mila. Mila Batester. Batester. Baruch HaShem. Dans la bracha et la Hatzlacha. Au fait, je vais parler d'une chose qui est d'une importance capitale. C'est une partie de la population qui se trouve tout le temps, déçue, en colère, qui vit mal sa vie. Parce que la Torah, si je vous explique un chidouche sur la Torah, pourquoi il y a eu ce petit Aleph, et on termine et on s'en va d'ici, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est notre comportement. Quand malheureusement, on a des moments de baisse dans notre vie, à tous les niveaux, des choses qui vont pas, qui n'avancent pas, et on tombe dans un marasme le plus total, dans une tristesse, voire dans une colère. Et je voudrais vous dire d'où ça provient ça, parce que je pense que on va avancer énormément aujourd'hui dans le comportement de l'être humain dans sa vie de tous les jours. Et puis, je peux vous dire une chose, une personne qui est déçue, qui est en colère, qui est triste, qui se sent pas bien, va drainer ça autour d'elle, autour de sa famille, de son épouse, de son mari, de ses enfants, etc. Et terminera une vie horrible. D'ailleurs, le titre du cours, il était, je crois que... de passer une vie entière dans cette tristesse, c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Je disais à Eric ce matin que je m'émerveille tous les matins
comme un enfant. J'essaye de rester comme un enfant, de m'émerveiller de ce qui se passe comme un enfant. Alors vous allez dire, c'est mimi, c'est gentil, c'est bien, ça doit être un simplet. Je peux vous assurer que c'est un gros travail. C'est un très gros travail. De s'émerveiller tous les matins. Tu te lèves le matin, tu vois ta femme, tu vois ton fils. Si tu n'arrives pas à t'émerveiller tous les matins de ce qui se passe, il te manque quelque chose de très très important dans ta vie. Je vais vous le dire. Et je vous assure, ça change une vie. Ça change une vie ce que je vais dire maintenant. Le Rav y ramène. Et vous allez le voir, quel est le rapport avec ce petit Aleph. Parce que c'est ça l'histoire. Anava amitit, l'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? Qu'est-ce que c'est l'humilité? En pirusha l'archov, ce n'est pas de penser. Anilosh avec l'oum. L'humilité veut dire, je suis un moins que rien. Je suis pas grand chose. Oh, je suis un nul. Non. Et là, pirusha, ça veut dire, shayad adam yodea et kolama alochelo. L'humilité, c'est de ce qui fait. Non, de ce qui fait, c'est pas l'humilité. L'humilité, c'est d'apprécier tes qualités que tu as, pour lequel tu es exceptionnel dans ces qualités et tu es unique. Veyodea, mais tu sais une chose, c'est ça la anava. Shezea kol bekoach shelabore, que tout te vient de Dieu. Vegam yodea et kol chesronotav. Attention, je connais mes qualités et je connais mes défauts. Et je sais que tout vient de Dieu. Veallié des zéros et krituto vet chifluto vet afsiuto. Et en fin de compte, à travers mes qualités, en prenant conscience qu'elles me viennent de Dieu, je reconnais de façon intégrale qu'au fait, je ne suis rien, puisque tout ce que je suis, et que tout ce que je pense que je suis, et que toutes mes qualités que j'ai, et que toutes mes facettes dans ma vie, que tout le monde me dit sont extraordinaires, me viennent de qui? De Dieu. S'ils me viennent de Dieu, ce qui veut dire que de moi, il n'y a strictement rien. Véchébli à Boré, vous allez voir où ça va nous amener ça. Et que sans Dieu, de toute façon, c'est vrai que j'ai des faiblesses, mais sans Dieu, je ne pourrais pas les combler. Car cher Adam Atsiliar, quand quelqu'un réussit, Bevadait Sarich et Ismar, il doit être content de sa réussite. Que Dieu l'a aidé. Véadraba, Rachouv Meot Chekol Adam, Iret Atslachota Vet Maralotav. Au contraire, vous n'avez pas le droit de vivre dans une vie en vous disant vous êtes des moins que rien. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de dire à l'autre qu'il n'a aucune qualité et qu'il est nul. Vous n'avez pas le droit de rabaisser votre mari en lui disant t'es un moins que rien. Ou de rabaisser votre épouse en lui disant tu vaux rien. Vous n'avez pas le droit. Parce que chacun a ses qualités intrinsèques que Dieu lui a données. Rak tsarir sheyeda. Mais par contre, il y a une chose que tu dois savoir et elle va te calmer cette chose-là. Shaboré, ou Shematan loet atzlachat midit, yod elaboré, et que c'est Dieu qui lui a donné ses qualités, et il doit le remercier. Veyam shir levakesh ezra kolazman, et que tout le temps, quand tu es en haut, fais très attention, quand tu es en haut, de demander à Dieu de t'aider à rester en haut. Veroé kamachesronot yeshlo, et en même temps que tu es en haut, rappelle-toi aussi de tes défauts que tu as. Il te dit, et ta matzava caché chez l'eau, bishwi shi t'orir la date, chez ou tsarich et aboré, veyetse margash at kochiv yot semyadi. Et tout ça pour une idée. Parce que si tu rentres un jour, et ça c'est très dangereux, dans l'idée que tes capacités viennent de toi, tu vas devenir très vulnérable, comme on va le voir, et que le moment où tu vas tomber, parce qu'il y aura des moments où tu tomberas dans ta vie, elles te feront très très mal et elles te détruiront. Je répète, si tu es conscient, quand tu es en haut, que ce haut te vient de Dieu et que c'est que sa volonté que tu sois en haut, rien d'autre, ça ne vient pas de toi, ça te permettra d'aborder que dans les moments où tu seras en bas, tu ne te détruiras pas parce que tu te trouves en bas. Et vous allez voir où ça nous amène avec la paracha de cette semaine. C'est énorme. Il te dit, un résumé. Agava, c'est quoi l'orgueil? C'est quoi l'orgueil? Pirusha, Shadam menatek et atzmo mehaboré. C'est que l'homme se déconnecte de Dieu. Vero et ani shelo. Et il est en train d'alimenter son moi, ani, moi, à lui.
La reine batzlachot ou mitgaé. Et donc, quand il réussit, il alimente ce moi en disant c'est moi qui a des capacités. Mais le problème, c'est pas quand tout va bien. Bakishlonot ou nishbar, quand il y a quelque chose qui va se bloquer dans sa vie, il s'écroule complètement. Mais complètement, il s'écroule. Tu sais pourquoi il s'écroule? Mais pourquoi tu t'écroules? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai que mes capacités. Parce qu'il va te dire, je m'en veux. Je m'en veux. Apparemment, j'ai tout perdu. Je suis à moins que rien. J'ai plus de capacité. Et donc, il s'en veut à lui. Tu entends ce qu'on vient de dire? Il y a des personnes qui sont en train de vivre actuellement l'horreur. Parce que les affaires ne vont pas. Parce qu'il y a la guerre. Parce qu'on a passé 2 années horribles. Et ils sont là, ils ont perdu la moitié de leur vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se disent, apparemment, je suis plus au top. Il s'est passé quelque chose que je suis plus au top. Et ils s'en veulent à eux. Attention, quand tu t'en veux à toi, c'est pas un problème. T'as qu'à mourir si tu veux. Mais le problème, c'est que tous ceux qui sont autour de toi vont souffrir de ton mal-être. Et ce mal-être te vient, tu sais pourquoi? Parce que tu pensais qu'au moment de la réussite, cette réussite venait de toi. La reine, c'est pour cela. Beatzlachot, tu te dis, Adam et Kacher, Akol et Maboré. Quand un homme, il dit au moment de la réussite, c'est de Dieu. Batzlachot ou mode élaboré. Et que quand il a des réussites, il remercie Dieu, c'est pas de lui. J'ai des qualités énormes. Elles me viennent de Dieu. Je le remercie pour ça. Et puis, Bakishlonot ou Mitpalel élaboré. Et quand une journée noire, Makara, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Mais chez toi, il s'est rien passé chez toi. Pauvre type, il s'est rien passé chez toi. C'est pas chez toi qu'il s'est passé quelque chose, c'est que Dieu ne veut pas aujourd'hui. Alors, tu vas te mettre à prier. À la place de t'énerver, à l'ayomazé, et de faire souffrir tous ceux qui sont autour de toi, tu vas remercier et prier à Hachem pour qu'il t'aide pour que demain soit une autre journée. Puisque même la journée de réussite n'a pas été une journée de toi, elle a été une journée de Dieu. Ça, c'est encore une autre vision de la vie, et je crois que c'est la vision la meilleure, et nous allons le voir tout de suite. Il ramène ici l'histoire de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, quand il racontait des histoires, c'est pas pour raconter des histoires à des enfants. Il n'avait pas que ça à faire. C'est que dans cette histoire, il y avait un message capital qu'on devait apprendre. Il ramène Maasé, c'est une histoire. Hein, c'est une histoire, elle est mimi. Mais ce n'est pas l'histoire qui nous intéresse, c'est l'enseignement derrière cette histoire. Une fois, il y avait un roi. Il avait un seul fils. Il a voulu le faire régner de son vivant sur son pays. Lui donner la couronne, pas comme la reine d'Angleterre qui ne veut pas lâcher. Il veut lui donner de son vivant la couronne. Et il a fait une grande fête. Et bien sûr que quand le roi faisait une grande fête, Simcha, il y avait une grande joie dans tout le pays. Surtout maintenant, c'était quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y avait une passation de pouvoir entre le roi vivant qui est là avec son fils. C'était quelque chose d'extraordinaire, d'une beauté, un festin où tous les sujets du pays avaient été invités. Quelle journée, quelle journée. Et là, quand ils étaient dans une très grande joie, Amad Amelech, il s'est levé le roi, Amar Lebno, il lui a dit à son fils. Et il lui a dit, j'ai parmi mes proches de très grands astrologues. Et ils ont vu qu'un jour tu vas perdre la royauté. Ah, déjà, ça met un froid. Ça met un froid. Tu vas perdre la royauté, mon chéri. Là, on est dans une grande joie. Je te dis une chose. Il y a un jour que tu vas perdre la royauté. Ubechem. Mais, fais très attention de ne jamais être dans la tristesse. Même au moment où tu vas perdre ta royauté, tu restes toujours dans la joie. Et quand tu seras dans cette joie, parce que tu as perdu la royauté, Gamani et Bessimra, je serai dans la plus grande des joies. Là, je suis joyeux de te mettre roi. Mais tu sais quand est-ce que je serai le plus joyeux? Le jour où tu perdras ta royauté et que tu resteras dans ta joie. Alors là, ma joie sera éternelle. Elle sera fabuleuse. Et attention, parce que si je te vois qu'au moment où tu perdras ta royauté, tu rentreras dans une grande tristesse, alors t'inquiète pas, je serai aussi très joyeux, parce que tu ne mérites pas cette royauté. Mais
ça sera pour moi une preuve qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes d'être roi. Écoutez-moi bien l'histoire. Et je serai très joyeux que tu arrêtes d'être roi. Tu sais pourquoi? Parce que je te vois dans une tristesse. Je répète, si je te vois dans une joie, je serai dans une joie éternelle. Si je te vois dans une tristesse, cela me donnera la raison pour laquelle tu n'es plus roi. Et je serai joyeux que tu ne sois plus roi. Ça met un froid quand même tout ça. Aval, kshetiye besimcha. Mais mon chéri, si tu restes dans la joie, même le jour où tu tomberas en bas, ça sera ma plus grande joie. Quelle est cette histoire? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire, ce roi? Il dit la chose suivante, que gamachari kishalom gadol. On aura tous dans notre vie des moments où on va tout perdre. On aura des moments dans notre vie où on va tout perdre. Ça serait sympa si toute notre vie serait linéaire. Mais on a des moments dans notre vie où il y aura des blocages. Il y aura des moments dans notre vie où on a pensé que tout est facile. Et on arrivera le jour de notre mariage. On ne peut pas se marier. On a des difficultés. On arrivera le jour où on devra marier nos enfants. Et on verra les difficultés. On aura des moments où notre parnassa va tomber. On était en haut. Combien de fois j'ai rencontré des personnes, on m'a dit celui-là, c'était un milliardaire. Il a tout perdu. Celui-là, etc. Il y aura dans la vie des moments comme ça, d'inquiétude, des moments pareils. Et là, Gamachari Keshalon, Obeet Nisayon Kaché, Ole Maase, ou Masbiret Midata Shiflut Veta Anava. Au fait, ce roi, il est venu t'apprendre quelque chose. L'humilité. Quoi? Hameler, ce roi qui est le créateur, Yodeya Shish, Shiyula Damiridot. Il sait que l'homme aura des moments où il sera seul. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous avez beaucoup d'amis quand tout va bien. Quelqu'un m'a regardé un jour quand je lui ai dit que dans une vie, on a peut-être un ou deux amis. Il m'a regardé avec un regard dubitatif. Et je lui ai dit, je ne te souhaite pas. Mais si tu tombes en bas, tu verras s'il y a un ou deux, pas plus. Et ce qui va te surprendre, que ce un ou deux, ce n'est pas ce que tu as pensé. C'est d'autres qui étaient dans l'ombre. C'est ceux-là qui vont être là avec toi. Pas ceux qui étaient avec toi quand tu brillais. Ceux que tu étais avec toi quand tu brillais partiront comme les moustiques au moment où on a été à la lumière. T'inquiète pas. Et Veumet Savéalav, et ce roi lui dit, Tishaer Besimcha, je te demande une chose, dans toutes les situations, reste dans la joie. Tirecheloyelcha Atzvut, jamais dans la tristesse. Keshem Shibir Tsonim l'artiotra. Parce que comme maintenant, je te mets roi, c'est ton papa qui l'a mis roi, et je te donne la réussite. Kach Retzoni, She Tismar Be'et Kishalon. Mais tu sais que c'est quoi mon plus grand plaisir? C'est pas que tu es dans la joie. Quand je t'ai donné la réussite, il dit le roi, qui veut dire Dieu. Quand je t'ai nommé maintenant roi, c'est pas maintenant que je veux. Tu sais quand est-ce que je veux de toi cette joie-là? Quand je te ferai descendre. Quand un jour tu perdras ta royauté. Adam tzarich lada'at. L'homme doit savoir. Aboreh sameach becha. Ou sameach becha kasher ata melech. Dieu, lui qu'est-ce qu'il veut en fait de nous? Tout le temps. Parce que Dieu, il n'est pas là en train de s'amuser à nous faire des montagnes russes. Dieu, il veut qu'on soit toujours en haut. Il veut toujours que toute notre vie soit facile. Dieu, il ne veut pas nous voir dans des salles d'attente des urgences. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il ne veut pas quand on est là, assis avec un malade. Dieu, il ne veut pas ça. Avalma, il te dit une chose. Au fait, la plus grande joie de Dieu, c'est pas quand il te voit joyeux au moment où il t'a tout donné. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il veut te voir joyeux au moment où il te prend tout. Il veut te voir joyeux au moment où ça va pas, au moment où il y a un nissayon dans ta vie. Je veux te voir joyeux. Pourquoi? Et pourquoi vous allez dire pourquoi? Mais non. C'est normal que quand il me donne tout, qu'est-ce que je suis? Joyeux. Mais quand il me donne pas, ou quand ça va pas, c'est normal que je suis pas bien. Il te dit, Lama Boré, Ohe Votra, Et Oto Echad, Chenichar Besimra. Pourquoi Dieu, quand une personne est tombée, c'est là que son amour pour elle est le plus grand quand il la voit qu'elle est restée dans la joie. Qu'il s'est marré chez Oto Echad Mounach à la Karka. Parce que ça lui démontre une chose. Voilà. Le moment de vérité va arriver dans chaque personne. Un moment de descente. Et là, Dieu va dire, au fait,
dans ce moment de descente, tu vas me prouver, est-ce que tu étais avec moi ou non? Est-ce que tu avais l'orgueil ou tu avais l'humilité? Comment? Et il te dit que Ueno, Rochef, Sheou, Ashir, Ometsi, Utachir, et tout, mais Vin, Sheou, Besarakol, Ben Adam, Ugmal. Parce qu'au fait, quand tu perds de l'argent, ou quand tu perds ton pouvoir, ou quand tu perds quelque chose, tu te dis pas, c'était de moi, et donc maintenant je m'en veux, et je suis triste. Tu te dis, ça venait de lui, il a voulu me l'enlever, il me l'a enlevé. Je l'aime, il m'aime, il me l'a enlevé, il le sait pourquoi. Tu vas détruire la vie de ceux qui sont autour de toi? Non! Chas v'shalom, tu vas avoir un visage. Et la Kadosh Baruch Hu te dit, c'est le moment. Je veux savoir, est-ce que, parce que tu parles de Emouna et de Dieu, Baruch Hashem, Imirtza Hashem, etc. Parce que tout va bien. Moi, je veux que tu me fasses le même Imirtza Hashem et Baruch Hashem avec le même cœur, quand ça va pas. Pourquoi? Parce que là, tu vas me démontrer que quand ça allait, tu avais conscience que ça venait de moi et que quand je t'ai enlevé, c'est moi. Et comme c'est moi, tu n'es pas en colère sur toi-même, puisque ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Ouais, bien sûr. Il te dit, et en vérité, et pourquoi Dieu nous fait tomber des fois? Quoi il a besoin de nous faire tomber? Bon, il veut voir à travers ça. Non, mais c'est pas suffisant. Si lui, Dieu était convaincu, il n'avait pas besoin de me mettre à l'épreuve. Pourquoi il m'a mis à l'épreuve maintenant? Vous savez pourquoi il m'a mis à l'épreuve? Il te dit comme ça. Quand Dieu y voit le type qui commence à avoir un orgueil, il écrase tout le monde, il respecte personne. Qu'est-ce qu'il a? C'est un boss. Il a investi. Il a des maisons, il a des machins, il est bien, il a besoin de personne. C'est moi. Mais les autres, ils valent rien. C'est terrible. Il te dit, Borak, il avait oublié. Le pauvre, il a oublié. Que tout ce qu'il a eu, ça venait de Dieu. Et il est rentré en lui. Et il est rentré en lui le dimion. Comment on dit le dimion? L'illusion. Hein? L'illusion de ce moi. Il a dit, c'est moi qui est fort, c'est moi qui est intelligent, c'est moi ça. La reine, l'oazrulomina shamaim. À un moment donné, dans le ciel, on dit, faudra remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce coup, il appelle les clients, il n'y a plus rien. Wallow. Non. Comment Wallow? Deuxième client, Wallow. Troisième, rien. Et du coup, tu viens le voir, tu dis, comment ça va? Il dit, ah, ne me parle pas, je t'en prie, ne me parle pas. Ne me parle pas, je ne suis pas bien. Ne me parle pas, parce que c'est lui, il s'en veut à lui, il s'en veut à lui de ne pas avoir réussi. Ne me parle pas, je te dis ne me parle pas là. J'entre à la maison, qu'est-ce qu'elle me veut ça là? J'ai des soucis toute la journée, qu'est-ce qu'elle me prend la tête? Tu comprends le concept? Il est énervé sur lui, il est énervé parce que ça gave à lui. Il lui a fait croire que c'était lui, et puis d'un seul coup sans lui, il n'est pas là, il n'est pas bien. Tu comprends? C'était pas de Dieu, c'était de lui. Il te dit, et ils vont l'aider du ciel. Que quoi? Pour que ces illusions, ces folies qu'il avait dans sa tête vont se calmer. Via Shubala Metsiout, et qu'il retourne vers une réalité. Et Karni Sayon Acharani Fila. Alors, l'essentiel, c'est que quand tu tombes, l'olipol, le Hatzvut Veyush, ne tombe jamais. C'est très dangereux pour toi. Parce que si tu tombes dans une grande colère, tu es en train de démontrer à Dieu que quand tu as eu la réussite que lui t'a donnée, t'as pas pensé à lui, t'as pensé que ça venait de toi. Et là, c'est une catastrophe. Les portes se ferment. Traduction. Il y a une journée qui est très mal, le soir doit être dans une grande joie à la maison. Quelle grande joie, je vais m'énerver sur tout le monde. Quelle grande joie. Une grande joie de quoi? Hachem, je sais, hier, je me suis fait un auto-kiffage à moi-même. Un auto-kiffage. Je me suis fait kiffer moi-même. J'ai cru que c'était moi. Traduction. Tu sais quand est-ce que tu verras quelqu'un qui est dans la Hanava? Quelqu'un qui est dans la Hanava, c'est quelqu'un qui est toujours joyeux. Même quand ça ne va pas, il est joyeux. Ça, tu sauras qu'il est dans la Hanava. Parce que quelqu'un que tout va bien et qu'il est joyeux, c'est normal. Tu sais quand est-ce que, si je te vois que tu n'es pas bien parce qu'il t'est arrivé quelque chose et tu continues dans la Simra, c'est la Hanava. Pourquoi? Parce que tu es conscient que ce moment où tu n'es pas bien, que ce moment de descente, ça venait de Dieu et il est venu pour le bien, pour te rappeler qu'il était là et que quand tu étais en haut de l'affiche, ça venait de lui. Pourquoi je vous dis ça? Je terminerai avec très court avec cette chose-là. Ce que les Midrash nous ramènent sur ce mot de Vaikra,
ce Aleph Zeira, ce petit Aleph. Vous ouvrez le Sefer Torah, Vaikra, Vav, Yud, Kuf, Resh, Aleph. Dieu appela à Moïse et le Aleph de Vaikra, il est petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est petit? Quoi il est petit? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce petit Aleph? Le Baal HaTurim ramène quelque chose d'énorme. Il dit le Baal HaTurim, Aleph de Vaikra Zeira, ce petit Aleph, ce Aleph de Vaikra est petit. Chez Moshe Haya Gadol Ve'anav, Moshe était très grand, mais d'une humilité totale, que tout lui venait de Dieu. Quand Dieu lui a dit, écris Vaikra, parce que c'est Moshe qui a écrit la Torah. Mais la Torah n'a pas été écrite par Moïse. Dieu lui a dicté la Torah. Quand il est arrivé au mot de Vaikra, Dieu appela à Moshe. Moshe s'est senti mal. Dieu, il m'appelle. C'est de l'orgueil. Dieu, il m'appelle à moi. Il m'a appelé à moi. Non, il a dit, j'écris pas Vaikra. Il a dit, j'écris Vaikar. Vaikar, Dieu, ça vient du mot Mikré. Dieu est apparu à moi par hasard. Comme avec Bilam. Vaikar. Et là, il dit le Baal HaTurim. Que... Kéilou, l'audibère à Kadosh Baruch Hu et la Bachalom. Peut-être que Dieu est venu dans le rêve. Comme il venait chez certains prophètes, comme il venait chez Bilam. Dieu est venu, apparu à ces prophètes-là dans le rêve. Mais là, Vaikra, ça veut dire Panim el Panim. Moshe Rabbeinu dit visage contre visage. Je ne peux pas écrire ça. Je ne peux pas écrire ça. C'est de l'orgueil. Amarlo à Kadosh Baruch Hu. Nichtov et Aleph. Dieu lui a dit écris le Aleph, je te dis. Écris le Aleph. Et Moshe, il est là avec le cool mousse, avec la plume. Non, je ne veux pas écrire le Aleph. Dieu lui écrit le Aleph. Veshuva Marlo, Moshe, Mechamat Rova Anava, Sheloich Tevena et Laktana. Alors il a dit à Dieu, laisse-moi au moins l'écrire en toute petite. Tu vois, quand on regarde le mot Vaikar, on ne voit pas le petit Aleph. Uktava Ktana, il a écrit petit. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Maintenant c'est quoi l'histoire? Il a écrit petit. Dans Parashat Kitissa, on a trouvé quelque chose d'anormal. Que Moshe Rabbeinu, d'un seul coup, il s'est mis à voir Karan Or Panav. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Karan Or Panav? Le visage de Moshe s'est mis à rayonner. Il y avait des rayons de lumière qui sortaient de son visage à tel point que les Béné Israël, le peuple d'Israël, avaient peur de s'approcher de lui. Il a fallu qu'il mette quoi? Un masque. Le Midrash y ramène. D'où est venue cette lumière? Qu'est-ce qu'il a eu? D'où ça sort ça? Il dit le Midrash. Mouva, il dit Rabbi Yehuda Bar Nachman, Rabbi Yehuda y ramène. De la part de Rabbi Shimon Ben Lakish, Sha'at Sha'ya Kotev Bekulmus. Voilà. Au moment où il était en train d'écrire, avec l'encre que Dieu lui a donnée. C'est même pas de l'encre que nous on peut comprendre, que Dieu lui a donnée. Mishtayer Kima, il est resté un peu de cette encre. Viro al Rosho. Et il l'a mis sur sa tête. Umi menu naasu lo karnehod. Et de là, ses rayons sont sortis. Et Ora Chaim HaKadosh demande et dit, mais il restait de l'encre? L'encre de Dieu, il ne reste pas. Il a donné la mesure exacte d'encre divine pour écrire ce premier Sefer Torah. D'où ça sort cette encre-là en plus? Et il ramène ici, qui m'a raché Katav Moshe Aleph Zeira, en écrivant ce petit Aleph. Vechen, chez Schmidt et Yud Betiva, via Ish Moshe Anav, il y a eu un deuxième endroit. Quand Dieu lui a dit, écris, et l'homme Moshe Anav, il est humble, Mikol Adam, Asher Alpen Adam, il a dit, Dieu, je ne peux pas écrire que je suis Anav, moi. Mais moi, je ne peux pas écrire sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a enlevé le Yud de Anav. Anav s'écrit Aïn, Nun, Yud, Vav. Il a enlevé le Yud de Anav. De là, il est resté cette encre-là et il l'a fait passer sur son visage. Alors, t'es en face de qui là? T'es en face de qui là? Sauf une chose, c'est que tous nos sages se posent la question, pourquoi ce Midrash est venu au moment des sacrifices? Vaikra, c'est le livre où on va parler des sacrifices qu'on va faire à travers toute l'histoire, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Pourquoi ça a été marqué ici? L'histoire de Moïse, qu'il est humble. Il est humble. Et d'ailleurs, ça va être symbolisé par ce petit Aleph. Quand vous allez regarder maintenant Vaikra jeudi, vous allez vous rappeler que dans ce mot de Vaikra, il y a tout le symbole
de l'humilité de Moïse. Mais pourquoi avec les corbanotes, avec les sacrifices? Quel est le rapport? La camarade dans ma sechet sota et ramène Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit Rabbi Yoshua ben Levi, Bore kama gedolim ne mocheruach lifina kadosh baruchu. Regarde combien ils sont grands, ceux qui ont cette humilité. Ils ont réussi. C'est pas de eux. S'en fiche. Ils restent les mêmes. Non, mais t'as pas changé? C'est bizarre. Comment t'as pas changé? Pourquoi t'as pas changé? Mais en principe, justement, c'est ça. C'est que la richesse devrait nous faire changer. Pourquoi? Mais quand tu deviens riche, tu fréquentes pas. On fréquente pas les manants. On fréquente pas le peur. On a notre club. La gava. La gava. Pourquoi t'as pas changé? Gadol, il dit. Rabbi, la Gemara dit, Rabbi Yoshua ben Levi dit, grand, grand, sans ceux qui sont humbles. Béchaach et Betamikdash Kayam, parce que il dit, la Gemara dans ma sechet sota dafé, au moment où le Betamikdash était construit, celui qui a porté un holocauste, le mérite de l'holocauste était sur lui. Celui qui a porté une mincha, une offrande, le mérite de l'offrande était sur lui. Avalmi shedarto shfela, mais c'est lui qui est humble. Le Talmud dit, je le considère comme si qu'il a fait tous les sacrifices de la terre. Mais il n'a rien fait. Il est humble. Akadosh Baruch Hu, il dit pour moi, tu vois, tu sais pourquoi j'ai mis Moïse et son humilité avec les corbanotes pour te dire une chose. Il y a les sacrifices qui pardonnaient tous nos fautes, mais il y a plus grand que les sacrifices qui pardonnent tous nos fautes. Tu sais, c'est quand? C'est quand tu baisses ta tête. Quand tu baisses ta tête. Et quand tu la baisses pas parce que je la baisse. Tu la baisses parce que tu sais que tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Et que le jour où tu n'auras pas, c'est pas ton problème. C'est pas un échec personnel. C'est Dieu qui l'a voulu. Juste pour te rappeler que ça vient de lui. Toi, tu vas commencer à prier et tu vas remonter en haut de l'affiche en 2 minutes. Et tous ceux qui ne sont pas remontés en haut de l'affiche, tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont été détruits par leur tristesse qui était « c'est moi ». Je suis devenu un naze, un nul. C'est de ma faute. Et ils se sont détruits, ils ont détruit tout ce qui était autour d'eux. Je terminerai par un chidouch atsoum que j'ai découvert ce matin très tôt. Je terminerai, parce que c'est marqué, comment c'est marqué dans le verset? Adam, le début de la Torah de cette semaine. Adam qui a kriv mikem. C'est quoi Adam? Jamais on, Adam c'est Adam Arishon, Adam c'est Adam Arishon. On n'a jamais lu le mot Adam. Adam, comment on dit dans la Torah toujours? Ish, qui a kriv mikem, un homme. Adam, qui c'est Adam? Qu'est-ce qu'il a fait Adam ici? Il ramène ici une chose extraordinaire. La Gemara dans ma Masechet Roline, elle dit, il y a eu 3 qui ont vécu dans cette humilité, dans cette beauté, qui leur a fait une qualité de vie extraordinaire, qu'ils étaient toujours dans la joie, même dans les moments où ils sont tombés. Il faut souffrir les autres. La Gemara a dit, David Amelech, il est venu, il a dit à Dieu, va anochi tolaat veloish. Je suis un tolarat, je suis un ver de terre, Hachem, et pas un homme. Teilim, tolarat veloïch. Qui suis-je moi? Qui suis-je? Tolarat veloïch. Je suis un ver de terre et pas un homme. Avraham Avinu, lui il est venu, il a dit Hachem. Avraham Avinu et Dieu, c'était des potes. C'était des potes. Avant qu'à jouer, il a dit Avraham Avinu, tout ce monde que j'ai fait, Yababa, c'est pour toi et pour tes enfants. Et Avraham Avinu, il devrait s'auto-kiffer. Un petit peu, il s'est levé un bon matin, il a dit va nochi afar va efer. Et moi je suis afar de la poussière et de la cendre. Et le troisième qui a déclaré, c'est Moshe Rabbeinu quand il est venu chez Dieu, il a dit venachnouma, et nous qui sommes-nous, qui on est? Lui, Aaron, Akoen, ils sont venus. Il a dit même pas de la poussière de la terre, je suis pas. Même pas de la cendre, je suis pas. Oh allô, je suis rien. Venachnouma, j'existe même pas. Et nos sages viennent et disent, c'est bizarre, ce sont les 3 qui ont proclamé David Ameler, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Avraham le Aleph, David le Dalet, Moshe le même, Adam. Akadosh Baruch Hu te dit, Adam qui a kriv mikem. Toi tu parles des corbanotes, des sacrifices, des grandes choses. Adam qui a kriv mikem, un homme qui se sacrifie. Le plus beau sacrifice du monde, c'est pas les sacrifices que tu vas amener au Beth Amikdash. Le plus beau sacrifice du monde, c'est que tu vis be'anava. Quel anava? Quand ça va, quand ça va,
tu as le droit d'être content que ça va. Mais dis-toi que quand ça va, ça vient de Dieu. Et quand ça va pas, reste content. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as échoué. C'est Dieu qui l'a voulu. Et tu sais pourquoi il a voulu? Il a voulu pour te rappeler que quand tu étais en haut de l'affiche, à un moment donné, tu l'as oublié. Alors maintenant, recommence à te souvenir de lui. Comment? Avec la joie. Parce que tu sais que Dieu est avec toi, même quand ça va pas. Il est venu juste pour te donner un message. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas remonter en haut de l'affiche. Je vous remercie. Et je vous souhaite une journée. Mais de folie avec Abihanania ben Akasha, Omer Azakh, le Zakat d'Israël.